Salut tout le monde, c'est Il est Paris 9-4. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit pack opening. Un pack opening d'une souris gamer qui m'a coûté que 20 euros, oui. J'ai pas beaucoup d'argent pour ces trucs-là. Vous me direz, c'est pas bien, nanana, mais bon, pas envie de mettre non plus 60 euros. Donc voilà, ça me faisait plaisir de le partager avec vous, sachant que avant, je faisais des gameplays avec une vieille souris. N'en parlons même pas. Voilà. Donc voilà, là j'ai enlevé tous les petits scotch et tous les trucs qui pourraient me gêner. Donc avant d'ouvrir la boîte, on va lire la petite notice. Sinon je rigole, on va jamais la lire, ça sert à rien. Je veux dire qui fait ça. Bon, ok, il y a peut-être des personnes qui font ça, alors je rigole avec une main. Donc ouvrir cette foutue boîte avec une autre main, c'est assez compliqué. Donc voilà, là j'ai ouvert la boîte, miracle. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vous demande tous. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir? Oh là, oh là, par contre, là, je commence un peu à galérer. Là, ces amours de toi. Non, je suis désolé. Donc, voilà le contenu de la boîte. Il y a vraiment beaucoup. Ça fait une coupure. Ah, bah non. Ah, c'est comme ça sortir. Alors. Ouais, je crois que je vais faire une coupure et on se retrouve tout de suite. Alors à l'intérieur de la boîte, sans grand étonnement, il y a une souris. Hein, wow, un truc de malade. Donc une souris filaire, oui, j'ai économisé, je crois, 10 balles pour ça. Mais bon, je préfère garder mon argent. Voilà. Alors avec les boutons ici, je vais vous la montrer un peu de plus près. Voilà. Voilà, pas trop mal. Petit fil. Qui va bien, tu connais les bails, frérot. Donc c'est à l'intérieur le petit mousepad, donc là où on peut poser notre petite souris, hein, donc c'est marqué ici, voilà, notre mousepad vraiment. Donc on va ouvrir ce mousepad après, hein, ça fait complètement, et on a la petite notice qui va aller directement à la poubelle. Non, je rigole, je vais la laisser au cas où j'ai envie de la lire un jour. Et le petit truc, je tiens à préciser que ce n'est pas un placement de produit. Voilà pour tous les petits malins qui se disent: oh, tu fais un placement de produit. Non, c'est pas un placement de produit. Bref, on se revoit tout de suite lorsque j'aurai déballé le mousepad. Et voilà l'ordinateur Asus. Excusez-moi pour le doigt, Asus, extraordinaire. Bref, la souris elle est là. On va la brancher, peut-être. Ça va peut-être mieux marcher en fait. Voilà. Et là, la petite lumière qui s'allume. Plutôt classe. Oh, ça change de couleur. Oh, incroyable. Donc là, ce qu'elle reconnaît, bah, c'est parfait, ça reconnaît. Voilà. Là, le petit mot de passe qui fait plaisir. Voilà. Oula, une vidéo. Ouais, je vais peut-être la règle celle-là. C'est une vidéo que j'avais fait sur notre Global Offensive. Et ce qu'on va peut-être se faire, hein. Peut-être que c'est un petit Counter-Strike, non? Allez, on va faire un petit gameplay avec cette souris-là. Enfin, je vous ferai un gameplay avec cette souris-là pour vous montrer ce que ça vaut. Donc, je sais pas si je vais la faire avec dans la même vidéo, parce que j'ai pas en fait que ce soit un peu trop long. Donc voilà, je crois que je vais lâcher 100 la souris. Et une autre séparément, parce qu'après tu voyais ça fait trop long, et j'ai remarqué qu'en fait les gens ils n'étaient pas très, en fait ils aimaient pas trop terminer les vidéos. Donc voilà, oula, je filmais un peu, hein, parce que je filmais, voilà, bon, je blablate beaucoup mais bon, c'est pas très grave. Donc sur ce, bah écoutez, je vous dis à une prochaine vidéo et on se revoit bientôt, ciao.